Tel un bon vin, la qualité des huiles essentielles varie en fonction du terroir. Rencontrons un pharmacien qui vous en dit un peu plus sur les critères de qualité en aromathérapie. Il existe plusieurs labels de qualité pour les huiles essentielles, qui sont soit liés au mode de culture, comme le bio par exemple, ou soit liés aux méthodes de contrôle de la qualité, comme les labels HEBBD ou HECT. La méthode de contrôle de référence actuellement est la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Pour les utilisateurs, on va retrouver un certain nombre de points de repère sur les packagings des huiles essentielles. Les principaux points de repère sont l'appellation botanique précise, nom de genre, nom d'espèce ou sous-espèce lorsqu'elles existent. Par exemple, dans le cas de la lavande, on parlera de lavande fine, Lavandula angustifolia, lavande aspic, Lavandula latifolia spica, ou bien le lavandin, super, Lavandula hybrida clone super. L'organe utilisé est également très important. La feuille, la fleur, le fruit, la racine seront également mentionnés sur le packaging et la qualité du produit final sera ainsi impactée. Par exemple, dans le cas de l'oranger amer, on va utiliser le zeste et obtenir l'essence d'orange amère aux vertus principalement digestives. Lorsqu'on prend la feuille, on obtient l'huile essentielle de petits grains de bigarade, principalement à visée relaxante. Et lorsque la fleur est distillée, ici il s'agira alors de l'huile essentielle de Neroli bigarade, principalement utilisée pour ses vertus antidéprimes. On précise également le mode de culture, l'origine géographique, puisque le terroir va impacter le végétal en termes de qualité. Les molécules principales seront également considérées, elles vont nous renseigner sur les vertus principales des huiles essentielles, mais aussi sur les éventuels dangers. Dans le cas des lavandes, la lavande fine contient par exemple de l'acétate de linalyl et du linalol. La lavande aspic, quant à elle, contient du lutinéol, du linalol, du camphre. Le lavandin, par contre, qui est l'hybride de ces deux lavandes, contient à la fois le linalol, l'acétate de linalyl et le camphre. Parfois, il est également très important de préciser le chémotype de l'huile essentielle. Puisque le terroir impacte le végétal, parfois il y a une variation qualitative qui apparaît en fonction de l'origine géographique. C'est là qu'intervient le chémotype. Prenons l'exemple du romarin. Dans le cas du romarin distillé au Maroc, on parlera d'un romarin 1,8 cinéol qui principalement va décongestionner les voies respiratoires. Ce même romarin distillé ici en Provence contient une bonne quantité de camphre, lui conférant des vertus analgésiques ou le plus souvent décontracturantes et musculaires. Lorsqu'on distille le romarin en Corse, on l'appelle maintenant le romarin chémotype verbenone, lui présente plutôt des vertus toniques, hépatiques et digestives. Vous l'aurez compris, ces critères de qualité sont indispensables en aromathérapie pour avoir une pratique efficace et sécurisée. Nous serons heureux de vous en apprendre un peu plus sur l'aromathérapie clinique dans la suite de votre formation.